sans rival koto. Sans rival à Mozani. Eh, on est bien des accords, mon con à Djobou. Émission à pasta. Sans rival, mon coca. Eh, maman, retard. Salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je reçois pour vous celui qu'on appelle Kabasele. Kabasele Wampanga, un fédéral de l'UDPS États-Unis. Trop beaucoup de choses à dire. Soyez connectés. Vraiment. Bobenga ma voisine, Lelo Eza Yakoinda. Bonjour, monsieur Kabasele Wampanga. Bonjour, sans rival, Molobeli à base. Kabasele Wampanga, problème nini. Yo, na UDPS. Parce que yo, ça m'en est pas partout qui est au commis Koboma, UDPS. Vraiment, sans rival, na koki, ko, sepele le babon goté. Si Tshisekedi là où il est parti, nous disons que les esprits ne meurent pas, comme il nous a toujours dit, Azali Pembe Inangayao. Si Bato, Bazo, Kopes, l'IDPS, Bomoi, je fais partie de ces gens-là. J'aime beaucoup l'IDPS parce que j'ai grandi. À 12 ans, j'étais déjà dans les bains. À 12 ans, Batouyon Soubaïebi, Bafoteuse de Tambolouana, Nassala Kaboye, Nathénée Royale. Et c'était comme une victoire, Babi Missinga na classe, Nakoma Kili Banda. C'est ainsi que Masolanga a porté Banda. Donc, Nazali Kowele, de l'autre côté, il dépèse des bases en Abissou. Nako Kiko Bouma, il dépèse. C'est notre héritage. C'est toute ma vie. Et Nazo Bunda, tout le monde a dépèse. Ezala, Makasi, il dépèse. Ezala, le col original. Il y a Oyo, Batikele Bissou, et pas il y a Kondo, Tshisekedi, Wamulumba. Donc, Nazali Awa, comme autorité morale de priorité, il dépèse. Au Bosani et Lokomoko. Priorité UDPS. Il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Tango Ozoloba contre UDPS, tu touches directement na Kabuya, na Kabunde Bazokamba UDPS. En quoi tu reproches l'UDPS, s'il vous plaît? En tout cas, Nazo Korje Plaswana. Je ne suis pas venu ici parler des individus. Parce qu'on m'a appris qu'il y a deux sortes d'esprits, et trois sortes. Il y a l'esprit supérieur, il y a l'esprit moyen et l'esprit faible. Étant donné que je fais partie de l'esprit supérieur, qui parle que des valeurs, je viens ici parler des institutions et non pas des individus. Je ne peux pas citer les noms des individus ici. Je cite les noms des institutions. J'attaque l'institution présidence des partis IDPS, institution secrétariat de l'IDPS. La manière où ces deux institutions sont gérées, je vous dis, sans vous mentir, là où il se trouve, c'est que John Moulumba, il est en train de plaire. Le linge, ça, c'est l'avant-famille. Pourquoi ne pas organiser un autre cadre pour pouvoir parler du mal de ces institutions au lieu de passer aux médias? Mon frère, je vous dis que l'orgueil... Bon, je vais vous parler la vérité, parce que vous voulez que je ne vous parle pas la vérité. Les gens que nous avons mangé avec lui sur les mêmes tables, qu'on a mangé les pains secs, aujourd'hui, ces gens-là, ils ne peuvent pas prendre votre téléphone. Là, quand on revenait des États-Unis, nous étions les dieux. Même mon épouse est témoin. Là, on lui disait que non, s'il y a des ministres, les Kabasele ne peuvent pas manquer. Ces Kabasele-là, aujourd'hui, depuis qu'on est là, on téléphone, personne ne prend notre téléphone. Les gens sont déjà au ciel, l'ivresse du pouvoir. Moi, je ne suis pas venu pour les gens ici. Je suis venu parler de l'IDPS. Parlez-moi de l'IDPS. Je crois que ça va me faire du bien. Un véritable coronavirus pour ce régime. Laissez-moi vous dire que depuis que Bélé n'a pas tout cerveau, je l'ai dit tout haut. Ça fait pratiquement 9 à 11 mois au Naloba Makambo, au Yobande Kwe Bélé, au Bazu Espace, na régime Oyo. Soit conseiller à président, soit ceinturier à président, soit ministre, soit tel po ayamba téléphone. Ndekunangaye azalaka kobenga yo 5 fois na journée moko. Sans rival mobilisé batuna Djobou, président Zoya. Sans rival tala batuya la mukabasali boye. Réagir boye. Sans rival batuba yo kakayo sala boye. Sans rival, sans rival, sans rival. Mais lelo sans rival wana. Soka bengi na téléphone, pour ayamba téléphone, et ça passe. Mais ce qui a masqué numéro, c'est-à-dire a utilisé numéro ya Moutoumoussousou, a yorika keza son rival, gentil Sebele Sima, je vais te rappeler. Je vais te rappeler, on est en réunion sans rival. Mais à quoi rappeler yo, li soussouté. Or, il y a un début, et il y a aussi une fin. Et le connu sous Zagani Bandeli, Nasuka, lobby ya Moutou, oyebi ya Moté, peut-être, Batouba Zelaka président, Aza la première ministre, mais Lilo Aza premier ministre, Timaza président de la République. Donc,
keba lobia muto yebi yangote. Wampanga à quoi tu reproches les institutions de l'UDPS, c'est très important. D'abord, je m'en vais ici dire que nous venons d'une école de 37 ans d'élite. Cette école, on nous a appris la démocratie, on nous a appris l'état des droits. L'état des droits, d'abord, c'est le respect des textes, comme notre papa. Tu sais que du Wamulumba, Mukishi Mujani, Mukishi Wababen de Kubajani, tu sais que du Kubajani, qui m'écoute ici, qui est à côté de moi, sans aussi oublier aussi Gilbert Mundele, mon grand frère et mon conseiller. Lorsque nous parlons d'état des droits, c'est dans ce livre que nous nous trouvons ce que nous appelons la constitution de notre pays. Et on doit respecter cette constitution. C'est pourquoi vous avez vu notre commandant d'élite, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une fois qu'il était nommé, une fois qu'il est passé président, voté président de la République, il a abandonné l'IDPS. Il a laissé l'IDPS parce que c'est lui qui était le président. Il a fait un mandat spécial à notre frère, compagnon d'élite, Jean-Marc Kabunda Kabunda. C'est en respectant cette constitution. Nous rentrons maintenant dans notre parti politique. Nous avons notre constitution. Notre constitution, c'est ses statuts. C'est ça notre héritage, le testament qu'on nous a laissé. Aujourd'hui, on a violé ces statuts. On a violé ces statuts. C'est là où vient déjà un problème avec l'institution IDPS, l'institution présidente du parti. Parce que en ayant le mandat spécial, c'est pour un temps. Mais quand je vérifie dans ces documents, je n'ai pas vu là où on marquait mandat spécial. Au moins, on peut se justifier que parce qu'il n'y avait pas trois institutions, comme nous parlons de Triomphera, des trois institutions qui doivent gérer les partis. Déjà, il y a un problème au niveau de présidence du parti. Quand je regarde le statut que vous voyez ici, parce que nous parlons d'état des droits et nous parlons aussi de respect des textes, comme notre leader, l'icône Tshisekedi Wamulumba, nous disait de respecter les textes. Quand je regarde ici, je vois aussi un problème avec le secrétaire général du parti. Là, celui qui était le secrétaire général adjoint du parti a été promulgué directement secrétaire général du parti par celui qui faisait aussi l'intérim, qui était secrétaire général faisant mandat du président de AI du parti. Il y a eu beaucoup de choses qu'on ne peut pas entrer en détail. Mais mon souci à moi, c'est lorsqu'on a violé ces statuts, lorsque vous passez pour dire que les statuts ont été violés, rentrons dans les statuts pour que nous puissions faire la redynamisation du parti, de notre parti. Je suis en train de parler que lorsque les deux institutions ne se retrouvent dans l'égalité, les gens vont poser des actes en dehors de ces statuts. D'où les choses ne marchent pas. Ne marche pas pourquoi? Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons plusieurs dédoublements de nos fédérations. Au niveau de Bukavu, je ne peux pas te dire. Ce qui se passe actuellement, parce que là, je vais expliquer ce problème de Bukavu, avec les deux fédérations rurales et urbaines, nous avons un problème. Nous, aux États-Unis, nous avons déjà un problème. Ici, je dois fixer les gens que nous nous sommes dit que nous allons nous prendre en charge. Aux États-Unis, la fédération des États-Unis, nous venons de nous prendre en charge. Parce que ça veut dire que nous avons trouvé qu'on a violé le statut. Lorsque, comme on ne nous écoute pas, nous nous sommes dit, Tshisekedi Wamulumba nous avait donné des armes atomiques. La première arme atomique s'appelle le courage. La deuxième arme atomique, lorsqu'il partait précisément en Belgique pour aller nous laisser, on ne savait pas, il nous a dit, prenez-vous en charge. La base, prenez-vous en charge. Nous devons respecter l'hiérarchie du parti. Mais lorsque l'hiérarchie se trouve dans c'est la violation des textes, même si tout le monde peut ne pas m'accepter, mais tu sais que du coup, je n'arrive pas à m'accepter. La base, je vous dis, nos textes ont été violés. On peut ne pas le dire. Mais mon souci, c'est la manière dont on gère le parti aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quels sont les remèdes pour toi? Des remèdes, nous devons automatiquement convoquer notre congrès du parti pour corriger. On ne peut pas faire 2 ans sans congrès extraordinaire ou congrès simple. Non, nous devons rentrer tous, organiser le congrès immédiatement. Organiser les congrès immédiatement, vous serez candidat à la présidence de l'UDPS. Je crois que c'est la base qui doit se prononcer. Je ne peux pas faire des éloges moi-même. Je suis en train de sensibiliser la base. Nous travaillons avec les pyramides à renverser. Nous allons être là pour contrôler chaque chose. Ok, on ne change pas l'équipe qui gagne les deux institutions. La présidence et le secrétariat général de l'UDPS ont bien géré l'UDPS pendant ces 2 ans. On a donné les pouvoirs à l'UDPS.
Et puis, il y aura beaucoup de mandataires de l'UDPS. Les ministres sont nombreux de l'UDPS. Et comment ils ont géré l'UDPS? Mais vous vivez dans quel ciel? Vous vivez sur la terre ou bien vous êtes au ciel? Sans rival, vous êtes au ciel ou bien vous êtes sur cette terre? Nous sommes avec vous ici, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites que des personnes de la présidence du parti secrétaire ont donné des pouvoirs. C'est quoi ça? Soyons justes. Soyons sérieux. Tous les combattants de la rue, partout même au village, ils ont participé d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes des leaders. C'est la fierté de tout le monde. L'union pour la démocratie et le progrès social. L'unité. Même les pères fondateurs, ce n'était pas une seule personne. C'était l'ensemble de tout le monde. Personne n'a donné le pouvoir à son excellent Félix Antoine Tshisekedi, si ce n'est que notre parti, la cohésion, l'unité together. Together we are stronger, better together. Quand nous étions ensemble, nous avons travaillé pour une cause juste. Chacun à son niveau. Je ne peux pas parler de moi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les amis ont commencé à diaboliser les autres. Monsieur Kouampanga, quand c'est un échec, quand ça échoue, on attaque les leaders. Mais quand il y a réussite, quand il y a un succès, on ignore les leaders, on dit que c'est l'ensemble, c'est l'union. Non, mon frère, je ne parle pas dans ce sens-là. Nous nous connaissons, non? Je suis l'enfant de la maison, je m'appelle Kabasele Wampang. Les gens qui gèrent les partis, même les pays, ce sont des amis, les frères, les compagnons d'élite, nous avons été ensemble. Si aujourd'hui ils nous ignorent, c'est que tu sais que Djokbaja ne peut pas nous ignorer. Nous nous connaissons, mon frère. Il ne faut pas dire ça. Nous ne pouvons pas dire ici que quand ça échoue, on dit l'idée. Non, pourquoi ça doit échouer? Appelons les chats par son nom. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'UDPS pendant ces 2 ans? Allons pas par pas. Bon, nous commençons d'abord au niveau du mandat spécial. Le mandat spécial qui a été élaboré n'a pas respecté quelque part notre statut. Directement, nous tombons dans les erreurs. Nous tombons dans les erreurs, même pendant les élections même, nous étions déjà dans les erreurs. Parce qu'au Kassai central, nous avons perdu. Pourquoi? Parce que celui qui était comme gouverneur, il connaissait notre statut. Il est allé se plaindre au niveau des magistrats. Là-bas, les magistrats ont lu notre statut. Ils ont trouvé que le statut était violé. Il y a eu beaucoup de choses que je ne vais pas entrer en détail. Je m'excuse les termes, chers amis, parce que le temps ne me permet pas, comme on est en train de me faire les signes de l'autre côté, avec ce qu'il y a comme bruit. Mais je vous dis que le simple fait de ne pas respecter ces statuts, il y a eu déjà le sentiment d'orgueil de celui qui sait que non, comme les statuts sont violés, je dois me protéger. Me protéger, c'est-à-dire trouver des gens qui sont favorables à moi, qui m'écoutent, pour que je ne sois pas un peu inquiété. Alors, les gens ont constitué des caciques. Monsieur Wampang, on a déjà compris le premier point, oui, la violation du statut. Le deuxième, troisième, quatrième, allons vite, parce que nous faisons la course au temps. Ouais, ouais. Comment les gens sont contents de la gestion de l'UDPS par Kabunde Kabuya, et puis les gens se sont retrouvés, le pouvoir est UDPS. Est-ce que les gens sont... Je ne vais pas citer les noms des gens, parce que les gens ont profité quand on cite leurs noms, ils vont voir les dieux du ciel. Je ne cite pas les noms des gens ici. Je parle des institutions, présidence du parti, qui a violé les statuts du parti, et l'institution secrétaire du parti, parce que quand la présidence, celui qui fait intérim, le président, aïe, secrétaire général faisant intérim, il a nommé aussi un secrétaire général. Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'on ne peut pas entrer en détail. Je n'ai pas de temps. Mon souci ici, je suis en train de parler des choses clairement. Une fois que nous avons eu le pouvoir, il y a eu ce que nous appelons l'ivresse du pouvoir au niveau du parti. D'abord, pour les choix des ministres, ces gens qui devront nous représenter comme des ministres. Pour les choix, je dois entrer en détail parce qu'il y a des choses. Lorsque nous sommes allés signer les accords avec l'INC, il y a eu déjà des manquements. Des manquements, pourquoi? Parce que les gens se sont autoproclamés, les initiateurs du projet. Ce sont eux que, je sais que du coup, j'ai laissé la chose. Les autres, on ne peut pas les intéresser. Les autres, on les intéresse quand ça ne va pas. Et quand ils voient que c'est leurs intérêts, ils vont les intéresser. D'abord, nous commençons par nos accords avec l'INC. Il y a eu flou. Ce n'était pas bon. Parce que les gens qui devront assumer n'ont pas assumé. Rentrons sur nos accords avec nos alliés. Il y a eu flou. Ça n'a pas bien marché. Nos accords avec FCC, il y a eu flou. Les gens qui traitent ces accords, ils ferment la porte à tout le monde. Et ils sont un peu limités quelque part. Ils ne veulent pas les dire. Il y a eu des systèmes, beaucoup de choses cachées. On cache à la base, on nous cache à nous autres. Et ça, là, je vous dis que c'est déjà des malaises. Ça crée des malaises au niveau du parti. Je dois le dire clairement. Ce n'est pas un problème. Parce que quand vous prenez le téléphone, vous téléphonez une personne. Moi, ici, j'arrive pour voir son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes avec lui à New York. Il dit que je ne te vois pas. J'arrive, on me ferme la porte.
parce qu'il y a un certain, je ne sais pas, président de la République ou quoi que ce soit, président du parti, ou un certain protocole, je ne sais pas, ils font les combines pour dire que Kabasel ne peut pas entrer parce que lui, il parle aux gens directement. Mais ce que je vous dis, si tu sais que Dieu est mort, moi aussi je dois mourir. Mais si tu sais qu'il n'est pas mort, je crois que ma parole et ce que je suis en train de faire, la base doit écouter. Est-ce que nous pouvons posséder pas, oui ou non, c'est vraiment important parce que nous faisons la course. Autant, je reprends encore ma question. IDPS au pouvoir, les combattants de l'UDPS se sont retrouvés, oui ou non? Ils ne se sont pas retrouvés. IDPS au pouvoir, les anciens, les compagnons d'élite du président Étienne Tshisekedi, je citerai le maître Mukendi, je citerai tous les vieux loups qui ont combattu avec Étienne Tshisekedi, se retrouvent jusqu'à présent dans l'UDPS où ils se sentent un peu isolés. L'UDPS, c'est un état d'esprit. Étant un état d'esprit, nous sommes tous de l'UDPS. Étant des êtres humains, de la manière dont le parti est géré, nous devons reprocher, nous devons dire que ça ne va pas. Ces gens-là ne se retrouvent pas de cette manière-là que le parti est géré. Mais en tant qu'esprit, l'UDPS, ce sont des membres de l'UDPS. Partout, ils se retrouvent. Alors maintenant, on doit passer au Congrès. Et si on passe au Congrès et qu'on puisse réélire les mêmes têtes, comment tu trouves? Nous allons établir des critères. Mon frère, cette fois-ci, nous devons exercer. Et accepter un peu que je puisse un peu exercer un peu de nos mémoires. Nous sommes en politique. Je vais parler politique. Lorsque nous devons aller vers le Congrès, parce qu'il y a quelque chose qui manque dans notre parti maintenant. C'est le bureau stratégique. Nous n'avons pas de bureau politique stratégique capable de se réunir et poser, de nous montrer les plans du travail. Ça n'y est pas. Si vous parlez de bureau stratégique, vous êtes comme... en tout cas, je parle comme ça parce que moi, je suis avec Tshisekedi Mouloum. Mon Tshisekedi Mouloum, Étienne Tshisekedi Mouloum est avec moi. Je peux le dire clairement. Je vous dis que nous manquons les bureaux stratégiques. Mais lorsque nous sommes en train de travailler maintenant, nous, les gens qui ont pris conscience, nous nous sommes réunis pour dire que nous devons monter un bureau stratégique pour aider, pallier au manquement de la présidence du parti et au secrétaire général du parti. Alors, ce bureau va nous faire un travail de qualité pour lui dire qu'une fois qu'il y a congrès, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que quelque part, les mandats, la constitution, je vais vous montrer les constitutions, la constitution donne à notre commandant l'élite, compagnon d'élite, des mandats, c'est-à-dire 10 ans. Nous n'avons pas une autre personne que nous allons mettre là-bas. L'unique personne qui va nous représenter s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsque nous irons dans notre bureau stratégique, on a déjà travaillé des textes. Comment nous allons revoir notre statut? Comment nous allons faire tout pour que notre commandant d'élite puisse se retrouver? Parce que c'est bien lui qui encadre l'esprit de Tshisekedi. Alors, nous allons travailler. C'est sur le bureau, ce sont des choses simples. On ne peut pas compliquer les choses. Les bureaux stratégiques, il y a des juristes qui travaillent les textes juridiques qui travaillent, l'échelonnement, comment les choses vont se passer. Et c'est tout, on se retrouve au Congrès, on dit, ce Congrès c'est pour élire un président, ou alors nous allons élire, je m'excuse d'être parce que les gens se posent des questions là-bas, on va dire que lorsqu'on va élire le président, et alors le président Tshisekedi ne va plus se retrouver. Non, les statuts qui seront révisés vont nous permettre à ce que, en regardant la Constitution qui nous dit que notre commandant d'élite doit avoir des mandats, nous allons tout faire pour que sa place puisse être là, parce que c'est lui qui va nous représenter. Il n'y aura pas une autre personne. Donc il y a des vaillants juristes qui ont déjà fait un travail de qualité à ce niveau-là. Eh bien, Kabasele, Wampanga, il nous reste moins de 2 minutes pour pouvoir lever l'encre des salutations à Media Medina, qui me suit en direct de la Hollande, sans oublier Jenny Yabalema. Yasolo, Kabasele, Wampanga. Si tu étais à la place du président Haï de l'UDPS, qu'est-ce que tu allais faire? Si tu étais à la place du secrétaire général de l'UDPS, qu'est-ce que tu allais faire avec tous ces enjeux politiques? Premièrement, j'allais respecter Tshisekedi Kouba Djani, le respect des textes. Parce que si on ne respecte pas ces textes, quelque part, on devient criminel et Tshisekedi Kouba Djani n'est pas content. Vous éternisez trop au respect du test, mais il y a beaucoup de choses que vous ne touchez pas. La gestion de l'UDPS, parce que nous sommes arrivés à la fin. Quand on ne respecte pas les tests, la gestion sera biaisée. La gestion sera une gestion de compromis. C'est-à-dire que je dois trouver les gens qui sont favorables à moi parce que les tests sont déjà rejetés. Vous agissez selon vos sentiments. Vous allez gérer les choses selon vos émotions. Vous allez gérer les choses selon vos avantages. Vous allez privatiser la chose. C'est ça le problème. L'UDPS a été privatisé. L'UDPS est devenu l'affaire d'un individu.
Vous savez, quand il y a les malaises au niveau de la base, le simple fait de ne pas les dire, garder silence. Je vais paraphraser l'auteur Albert Einstein qui dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent du mal et ils ne disent rien. » Ok, Akacia, ministre de l'UDPS, a été désavoué par sa base de la France. Encore une fois, madame la ministre de l'économie, Akacia, a été désavouée par sa base de la France. Pourquoi tout ça? Eh bien voilà, le secrétaire général avait parlé d'une histoire des 70% des gens qu'on doit employer dans le ministère, il y a Bandekoya, UDPS. Et ça l'a mis oui ou non. Il y a solo, Passi, P, Mawa. Est-ce que Bandeko, combattant UDPS, on s'est retrouvé dans le ministère, au Pessi Bango, ministère à tourisme, ministère à économie, ministère intérieur, ministère. Est-ce que combattant UDPS, on s'est retrouvé dans Katikuna? Retrouver tes ceux qui n'a côté na kati batou mousou bagoye ko ba kabasele a des rancunes avec des gens. J'ai dit envoyer mes services pour contrôler chaque ministère que nous dit des personnes nous gérons. Chers amis, si tu sais que je n'ai pas mort, il m'écoute. J'ai trouvé dans un ministère, je donne un exemple, le directeur de cabinet, c'est l'ami de papa des ministres qui n'était même pas de l'IDPS. Je suis clair devant tout le monde. Vous pouvez ne pas accepter la vérité. Mais je vous dis, tu sais que Djomou Lumama toujours dit, la vérité s'appelle Dieu. Tu trouves dans des cabinets des ministres de l'IDPS. Le directeur du cabinet, c'est l'ami de son papa qui n'est même pas membre de l'IDPS. Là, on ne peut pas parler. Quand vous dites ça, on va chercher des chiens et des chats. Mais je vous dis, chez nous, on mange des chiens. Et l'exemple vient d'en haut. Mais je vous dis qu'on a caché beaucoup de choses chez notre boss. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis Kabasele Kabasele Wampang. Vous me connaissez très bien. J'étais une fois à Lubumbashi. J'ai attrapé les gens avec des sacs de dollars. Ces gens-là me menacent ma vie parce qu'ils n'ont pas voulu que je puisse vous rencontrer pour vous dire la vérité. Ils ont dit que je fais du trafic d'influence. Je ne vais pas faire du trafic d'influence. Vous êtes mon grand frère, en dehors d'être président de la République et mon compagnon d'élite. Je suis Kabasele Wampang. Hein? Tu es quand même mon grand frère. Je connais des lois, je respecte des lois. Mais lorsque vous trappez les gens corrompus, les antivalaires que nous avons combattus jour et nuit, ces antivalaires se trouvent aujourd'hui dans la présence de la République. Ça se trouve dans notre présence du parti, dans notre secrétariat du parti. Et lorsque vous dites la vérité, on dit que vous êtes bête à tuer. Non, notre compagnon d'élite, je lui demande seulement 5 minutes. J'ai des secrets d'État pour l'intérêt général de cette nation et pour l'intérêt général de notre parti. Et qu'il me permette. Je vous demande seulement 5 minutes. Parce que le simple fait de passer devant les médias, les gens me traitent de tout pour nous faire. Faisons vraiment la course au temps, allez vite. Je voulais dire ici que le problème ne vient pas d'en haut. On cache beaucoup de choses à notre autorité morale, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, je dois parler des priorités et des pèses. Parce que quelque part, je vois que vous me faites un peu de caca là. Donc, I don't think that I can explain something like I want. You are free, man. Yes, sorry about. I want to say this. Je vais dire ceci. Étant cadre de l'IDPS, j'ai vu que pour faire quelque chose, il faut demander l'hiérarchie. Il faut aller voir l'hiérarchie. Alors, nous avons dit créer une association, l'ASBL, communément appelée Priorité IDPS. C'est un cadre qui nous permet d'exercer, de dire la vérité, de dire non quand il faut dire non, dire oui quand il faut dire oui. Je demande à tous nos frères et sœurs, parce que nous allons faire notre sortie officielle d'ici là, où nous allons montrer à la base nos projets. Si hier, on a promis à la base 70% et ça ce n'est pas fait, aujourd'hui, nous nous disons chez Priorité IDPS, si l'État ne nous donne pas du travail, nous allons créer du travail avec la base. Je ne dis pas des histoires, je crois que dans quelques semaines, nous serons à Matadi pour concrétiser ce que je suis en train de dire. Alors, je demande à la base que si ça ne voit pas, prenez-vous en charge. C'est ce que Djomou Lumba qui nous a dit. Prenez-vous en charge. Il n'y a pas un problème. Nous ne brisons pas des choses. La base, prenez-vous en charge. Je demande à toutes les fédérations de se prendre en charge. Vous devez écrire si ça ne voit pas. Écrivez comme nous aux États-Unis. Je crois que nous avons pris nos dispositions. Dans les États-Unis, vous avez désavoué les institutions. C'est-à-dire Kabound et Kabuya sont désavoués par la base des États-Unis. Of course. Ils doivent rentrer dans notre statut. Respect des textes. Si on ne respecte pas des textes, nous disons, nous sommes pris en charge. Nous, la Fédération des États-Unis. Je crois que les deux fédérations de Bukavu, et je crois aussi Katanga et les autres ici, les gens ont compris mon message. Mon message est simple. Nous devons nous prendre en charge.
On ne peut pas venir nous imposer. Les gens sont devenus orgueillés. Les gens ont eu des biens matériels qui cherchaient. Mais si vous avez eu, vous cherchez une maison, vous avez une maison. Si vous cherchez un véhicule, vous avez un véhicule. Vous cherchez à manger, vous avez à manger. Laissez-nous notre partie. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranchée. Je crois que le message est bien capturé. Il y a Solo, il y a beaucoup de petites guerres froides, Namité Maya Batou. Batou Bazela qui babi ma ministre, ma commune a imité. Ma patienté mouké parce que le panier circule encore. Il y aura les mandataires, l'ambassadeur, le PDG, les autres. Et les gens continuent à attendre avec leur grand diplôme. Hein. Et c'est moi vous dire que dans l'UDPS, il y a des têtes bien faites. Je citerai le cas du professeur André Mbata, où il y a cette tête na INSA Zaté. Qu'on ne vous trompe pas, professeur André Mbata, na INSA Zaté. Dans ma partie politique ébélé à Zaté. C'est vraiment le Liaou du siècle présent. Il me fait penser au professeur Liaou. Nous autres, on a eu quand même la chance d'avoir cours dans ma professeur Aminene. Mais Liaou ne m'a pas donné cours. Bande Konangaï, Soki, ma PDG, Batouana va se retrouver. Dans ma ambassadeur va se retrouver. Que va-t-il se passer? Est-ce que ces leaders d'aujourd'hui, Baza, déjà qu'on préparait moral, il y a Batou Oyo, qu'on soit un examen d'État. Bazo préparer la morale, n'a les lots, déjà que non, morale, il faut l'apaiser, n'a pas tout, qu'on soit un examen d'État, c'est grave. Parce que, pour parler bandit, FCC cash, cash, ça n'a qu'à réunion nulle part, pour n'a qu'on gérer mon kamalam, mais ça n'a qu'à réunion pour n'a partage un gâteau. Comme si Congo est commis, Bango bakoumi ba Léopold D. Congo ce qui commis domaine privé à Léopold D. Il y a coalition. Ngana kozo kota mutu. O mutu ba bizisi wana oyo nani oyo papa ya bana ya mida na komune nani. O mutu o libumu o lopele. Donc c'est bon, voilà oyé très bien. Donc ngana kozo kota mutu, ngana kozo kota lopele, ngana kozo kota ya mama na ngai. Congo kaka oyo ba koko na biso. Nime Barnabé, papa et son rival. Congo kaka oya ya Nous vous envoyons vite dans le divorce, parce que nous sommes la République démocratique du Congo. Il y a les mots démocratiques, c'est-à-dire démocratie, à la lumière de la compréhension d'Abraham Lincoln, qui est un pouvoir de peuple, bien sûr, la démocratie, un pouvoir de peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, le pouvoir est là pour le peuple. Alors, nous, maintenant, le peuple, nous refusons avec dernière énergie ce mariage FCC cash. Ça, c'est le peuple. Alors, pas trop de commentaires. Merci encore une fois à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. À moins que mon invité ait un petit mot de la fin. Pendant quelques secondes seulement, priorité UDPS. UDPS d'abord. UDPS, c'est grand bijou. N'oubliez pas que Dieu nous a fait grâce d'avoir un président de la République modèle. Un président de la République béton. Un président de la République qui a l'amour de son pays et de son peuple. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés quand même là-bas, pays extérieur. La diplomatie a réussi, s'il vous plaît. Relation, ils ont dit, là, mon Israël. Relation, ils ont dit, qui toko, n'a pays belé à Libanda. Voilà, coup de chapeau à son excellence. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Babi, Motema ya Mama Denise, la première dame. Respect! Ya Solo, Soki, au vanté ma mérite, ya Fatité.